J'ai 5 ans sur cette photo. Je boude parce que je veux pas aller au Brandon de Moudon déguisé en coccinelle. Les Brandon de Moudon, c'est une sorte de carnaval avec des gougues de musique, des gens qui font beaucoup de bruit. Dans les rues, ça sent la bière. Les petits enfants tiennent leur petit bricolage en papier qui, une fois sur deux, devient de la bouillie sous la pluie de Moudon. Le pot de chambre du canton, comme ils disent. Je tire cette tronche jusqu'à mes 7 ans, où je commence le piano. Je suis tellement impatiente d'aller au cours que j'attends devant le réveil que ce soit l'heure d'aller dès le matin. Je me balance sur ma chaise et je tombe et je me retrouve avec une énorme poupée sur le majeur de ma main gauche. J'arrive chez ma prof, Marie-Claire Durussel. Elle a plein de chats. Je suis allergique aux chats. Rien ne m'arrête. Le piano devient mon meilleur ami. Ses cordes deviennent ma voix. Je le fais chanter. À 13 ans, je suis fan d'Amélie Poulain. Je joue sa valse du matin au soir. Je rêve de concerts, de Paris, de théâtre. J'imite même Edith Piaf. À cette époque, toutes les coccinelles au monde entendent le même vœu. Je veux être comédienne, chanteuse. Ça mijote, plein de rêves dans ma hotte. Je tricote, un avenir qui dépote. Je vivote, un quotidien en paillote. Je yoyote, entre euphorie et chocotte. C'est ma première composition. Elle n'a que des rimes en hotte. Je cherchais dans le dictionnaire un maximum de rimes en hotte pour raconter une histoire. Pas la rime la plus facile. Je boycotte une vie qui me ligote. Je radote en attendant ma roulotte. Ça mijote, plein de rêves dans ma hotte. Je tricote mélodie qui dénote. Je sirote chaque rime que je dégote. Je sanglote lorsqu'elles ne sont que parlotte. La chanson originale a 17 couplets, mais je vais en chanter que 6. Je gigote dans ce monde qui numérote. Je grelotte parmi ces voix qui complotent. Ça mijote, plein de rêves dans ma hotte. Je tricote, un avenir qui dépote. Je vivote, un quotidien en paillote. Je yoyote, entre euphorie et chocotte. Les Coxubèdes, et on fera une tournée à Paris. D'abord dans les petites salles, je chanterai à la Cigale. Il y aura plein de chanteurs, de musiciens, de trapézistes, de comédiens. Il y aura peut-être un numéro d'Edith Piaf,
avec des claquettistes et puis un trapéziste, qui sait. Et puis il y aura peut-être... À 24 ans, je suis prof de musique à l'école. C'est dimanche soir, veille de rentrée scolaire. La peur au ventre, dans mon frigo, un chou rouge. C'est dégueulasse le chou rouge. J'ai l'impression qu'il me fixe. Comme les 40 pupilles de mes élèves vont me fixer demain matin. 20 petits choux. Des choux pas si choux. Il va m'y jeter le chou. Le premier jour d'école, ça s'est passé comme ça. D'une jeune fille, après 7 ans d'études, qui retrouve l'école et ses vieilles habitudes. Une horrible sonnerie, des couloirs jaunes et gris, mais des collègues gentils. Premier jour d'enseignement, à la porte un beau garçon qui, avec un grand sourire, vous dit « Welcome to hell, vous avez pas vu le pire !» Gangnam Style d'un chanteur coréen dont le surnom est Psy. Ils éteignent la lumière et ils crient au loup, ça ne va pas du tout. Mais il y a le soutien des pères. Ce n'est qu'un commencement, tout va en s'améliorant. Tu peux te confier, on est là, tu vas t'habituer. Cela fait déjà 3 ans qu'elle fait ce métier. Mais à la fin du cours, elle va ramasser au plafond des stylos Bic, flûte à bec en plastique, des armes atomiques. Apprendre un instrument, c'est important pour l'enfant. Si t'as le moral à zéro, chante du Nougaro. Ça ira, ça ira, ce ne sera pas le boxon. Ça ira, ça ira, ils feront plus les cons. Ils sauront leurs chansons sur le bout de leurs doigts. Ça ira, et ils m'écouteront dans un calme olympien. Je l'aurai mon silence de cloître cistercien. Des extraits de Mozart sans aucun brouhaha. Et j'accompagnerai, tu verras, une douce mélodie, un canon à deux voix. Avec un tambourin, des claviers, un conga. Le plus beau cours du monde, ouais. Qui vous glace le sang, ou lorsque les enfants, très progressivement, de 2 cm leur chaise avançant, se retrouvent soudain à 1 mètre plus devant. Et puis l'autre minot, caché sous le piano, et celui du mardi, qui colle les stylos, et c'est le qui hurle, libéré, délivré, sans qu'une bonne fée ne mène à l'arrêter. Pourtant, je fréquentais il n'y a pas longtemps une école de choix où j'apprenais le chant.
valses et mazurkas, polkas et impromptus dans un beau bâtiment, oui, la hache émue. École de musique, si loin tu me parais. Des gammes qui montaient et puis redescendaient. Oh, que j'aimais monter tes escaliers marbrés pour enfin retrouver le doux son du clavier. Kevin, arrête. Kevin, stop. Kevin, tu peux t'arrêter. Kevin, le son des flûtes à bec n'est de loin pas si doux. Ça siffle comme un train qui aurait de la toux. Mes tympans se dissèquent, ma tête me fait mal. Il faudrait des pamirs pour sauver ma pastèque. Kevin, arrête. Kevin. Qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Quand on est 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre-nous plus de controverses. Con cadu, con con débutant. Petit con de la terre. Ce vieux con des neiges, tout. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges, tout. Vous les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niez pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con. Quand on est 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est combat. Entre nous plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Vous savez quoi? Avant de manger du chou rouge et d'écouter Kevin à la flûte à bec, je vous l'ai déjà dit, j'ai fait une école magnifique dans un bâtiment prestigieux, le conservatoire. Et avec mes copines, on lui avait donné un petit surnom, la boîte à sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre l'herbe et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré. Les sardines à la pierre de Leipzig, piano classique. Lieder ohne Worte de Felix Mendelssohn. Nummer 25, Opus 62. Les sardines, citron, basilic, chant classique. Bonjour Véronique. Bonjour. Non, moi je dis bonjour. Vous vous dites bonjour. Vous voyez bien la différence.
Bonjour, le diaphragme. Bonjour. Ah, enfin un bonjour naturel. Bon, comment va le petit Mozart? Voi qui sapete che cos'è amor. Les sardines aux tomates cerises. Analyse. Nous allons analyser les degrés harmoniques de la chanson « Shape of You » d'Edouard Scheeran. Attention, il y a un degré mystère. Premier degré, quatrième avec septième, sixième degré. Et ça, qu'est-ce que c'est? Premier degré, quatrième avec septième, sixième degré. Et ça, qu'est-ce que c'est? Premier degré, quatrième avec septième, sixième degré. Et ça, qu'est-ce que c'est? Premier degré, quatrième avec septième, sixième degré. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, premier degré, quatrième, quatrième, ah, ah, sixième, qu'est-ce que c'est? Ah. Les sardines au maroilles, direction chorale. La mesure à quatre temps. 1, 2, 3, 4. Non, on ne boit pas le thé en Angleterre. Le petit doigt en bas. 1, 2, 3, 4. Poignée trop flagada. 1, 2, 3, 4. Non mais il faut mettre une monobague pour coller ses doigts. Les sardines, les cabèches, solfège, dictée rythmique. Prenez un crayon et restituez le rythme suivant. Vous n'avez le droit qu'à une seule écoute. Pom 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 pom. À vos crayons. Les sardines à l'huile de laurier, accompagnement au clavier. Tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine. Enfin un cours où je peux souffler. Je tirai la mer, des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. Et je cours. Et je cours. Cours. Je crois que je suis en train de faire une crise de classe hip-hopite. Ce sont des poussées de chants lyriques sur un terrain pop. On attrape cette saloperie au conservatoire. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les ailes, tout l'on laisse. À force de sauter d'une boîte à l'autre, la sardine s'abîme les écailles et perd le lion, l'amour de la musique. Et pour moi, il y a deux personnes qui expriment le mieux l'amour de la musique.
c'est Édith Piaf. Et Patrick Bruel. Bah quoi, je les aime les deux. Je pense même qu'on peut les faire fusionner, les mixer. On pourrait mettre un peu de non rien de rien avec la place des grands hommes ou bien padam padam avec le café des délices. Qu'est-ce qu'on va faire? Milord avec casser la voix. Connais la cause, c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Enfin fini les études, fini les boîtes de sardines. Je suis une musicienne professionnelle. Yes! And the club isn't the best place to find the love, so the bar is where I go. Me and my friend at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation and just now put my hands up with one man in the jukebox. Then we start to dance now.
feel ugly. Come on, now follow my lead. I may be crazy, don't mind me, sweet boy. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on, now follow my lead. Come on, now follow my lead. Ooh, I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. For my heart is falling too. Oh, I'm in love with your body. Last night you were in my room in all my bed sheets, but like you, every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ooh, 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 ooh. I'm in love with your body. Ooh, 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 ooh. I'm in love with your body. Je suis enseignante, mais j'ai toujours rêvé d'être comédienne. Alors, à 30 ans, dans la vie, faut pas avoir de regrets, je vais m'inscrire dans une école de théâtre. Google recherche école de théâtre, Paris. CNSAD, Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Limite d'âge, 25 ans. Lyon, c'est très beau aussi, Lyon. Hein. École de théâtre, Lyon. ANSAT, École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre de Lyon. Limite d'âge, 26 ans. Strasbourg, École de théâtre, Strasbourg. TNS, ok. Théâtre national de Strasbourg. Dans tous les cas, les dérogations, cumulées ou non, ne peuvent conduire à accorder des dérogations au-delà du 1er octobre, au-delà de 30 ans, au 1er octobre de l'année scolaire envisagée. J'ai 33 ans. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non? Allez, stop la musique, ça suffit maintenant. Je vous attends. Ça suffit, ça suffit. Stop! Mais vieille, j'ai l'habitude. Pour les ados, on est vieux dès 30 ans. J'ai une collègue qui a lu dans une disserte d'élèves. Il a 35 ans, mais il a l'air jeune quand même. Non mais franchement, est-ce que pour faire du théâtre, on est moins malléable? Est-ce qu'on est trop critique? Est-ce qu'il faut mettre une limite? Alors allez, 25 ans, mais non, 26 ans. Non mais sérieusement, De Funès, il a décidé de faire comédien à 28 ans. On l'aurait refusé d'office aux examens d'entrée de Paris, Strasbourg et Lyon. Non mais... Mais malgré tout, je continue à admirer ce monde du cinéma, du théâtre. Ces personnalités qui vous captent d'un regard, vos charmes, vous absorbent. Serge ? Serge Gainsbourg ?
m'écris une chanson. Je me mets au piano, je fais les accords, et tu m'écris un texte, ok? Tu réponds pas. Je suis trop vieille, c'est ça? Bon, ok, Bardot, elle avait 28 ans pour la madrague. Mais regarde. J'ai les mêmes cheveux qu'elle, déjà, ok? Ah. Plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison. Du soleil et des chansons. Pourtant, je sais bien, l'année prochaine, tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Shadows, des birds, des doors, des animaux.
moi parmi toutes ces chanteuses. Il y en a une que j'admire par-dessus tout. C'est Barbara. C'était la première pianiste chantante à faire carrière et à s'accompagner au piano en France. La première Alicia Keys de la chanson française. Une longue dame en noir qui tressait du bout des doigts des accords comme un miroir reflétant tous ses émois. De la dentelle de Calais qui naissait sur le clavier et qui transperçait notre âme sans tricher. La grande dame et sa voix qui se posait sur ses broderies sans filet, tantôt grave, tantôt flûté, parfois rauque et velouté. Elle avait le port de tête d'un Modigliani, cette esthète, le regard d'une Cléopâtre qui brillait au coin de l'âtre. Dentelle de Calais qui naissait sur le clavier et qui transperçait notre âme sans tricher. La grande dame. Elle nous fixait sans gêne. Racontait tout de l'âme humaine, souriait parfois face caméra, semblait lointaine mais toujours là. Elle aimait danser, rire, n'était pas une poupée de cire. Béjart aimait la voir gracieuse, bouger ses mains comme une danseuse. De la dentelle de Calais qui naissait sur le clavier et qui transperçait notre âme sans tricher. La grande dame. Elle s'essaya au cinéma avec Jacques Brel, son frère de choix, jouant une Léonie en blanc, attendant une déclaration. Elle aimait de tout son être, au-delà de tout baromètre. Elle s'engageait à chaque fois, en prison elle donnait de la voix. De la dentelle de Calais qui naissait sur le clavier et qui transperçait notre âme sans tricher. La grande dame. Avait-on pourlingué de Paris jusqu'à la Loire en passant par les Pyrénées. Même si elle n'est plus là, sa voix résonne ici-bas. Et les anges avec leurs trompettes mettaient leur cuivre sur ta tête. Tachette, c'est quand on donne des mesures de silence aux musiciens. On écrit Tachette sur la partition. 4 minutes 33 du compositeur américain John Cage, c'est 4 minutes 33 de Tachette en 3 mouvements. Donc le premier dure 33 secondes, le deuxième 2 minutes 40, le troisième 1 minute 20. Et en fait, le pianiste n'a rien sur sa partition, il a juste Tachette sur sa feuille là. Premier mouvement. Fin du premier mouvement. Deuxième mouvement, il dure 2 minutes 40. En fait, même dans une chambre insonorisée, on entend le bruit de son système nerveux et de sa circulation sanguine. C'est ce qu'avait inspiré John Cage.
En fait, l'œuvre, c'est tout ce bruit dans ce silence qui est fictif. L'instrument étant à Tchette, je suis censée être dans le rôle de pianiste là maintenant. Mais j'ai le droit de chuchoter, c'est du bruit. 4 minutes 33, c'est court et long en même temps. C'est plus court qu'un intercours. Plus long que Ribbon-Flon au métro. Plus court qu'une nuit d'amour. Qu'une nuit tout court. Mais 4 minutes 33 à chuchoter dans son micro, c'est très long. Et ça n'a pas beaucoup de sens parce que je n'étais pas censée jouer 4 minutes 33 et que je voulais juste expliquer le sens de la fin de ma chanson sur Barbara parce que d'autres fois, le public n'avait pas compris le mot Tchette. Et maintenant, je me retrouve lancée dans une performance. Donc je vais peut-être la finir. Et je parle parce que 4 minutes 33 de silence, quand vous êtes à un spectacle comme le mien, c'est gênant. Alors vous allez penser que j'avais 55 minutes de spectacle et que j'ai dû rajouter 5 minutes, donc j'ai eu cette idée. Vous en avez le droit, mais la vérité, que j'ai pas pu m'empêcher, quand j'ai parlé de 4 minutes 33, de regarder ma montre et de vouloir vivre ça avec vous. J'espère que ça vous exaspère pas trop. Vous pouvez tout à fait profiter de faire du bruit, en fait, de tousser, de taper vos verres. Parce que ça participe à l'œuvre. Oui. Il reste 10 secondes. Fin du deuxième mouvement. Oui. Troisième mouvement. Je me demande si dans une chambre insonorisée, on n'entend pas le bruit de son cœur qui ferait pada, pada, pada. Comme j'entends le mien maintenant battre très fort. Comme j'entends cette petite voix dans ma tête qui me martèle parfois, mais t'es pas comédienne, t'es une musicienne qui essaie de faire du théâtre. Et t'improvises mal. Puis tu te remémores des vieilles remarques. Ah, les paroles, les mots. Quand ils sont sympas, on les vénère. Quand ils sont sournois, on les digère. Lentement. Mais on surmonte, on oublie. On oublie beaucoup de choses avec le temps. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les paroles qui nous ont déprimés, les remarques des esthètes qui veulent te relooker et qui décident sans crier gare contre ton gré. Si t'es bien habillée, si t'es bien maquillée. Fin du troisième mouvement. Bien sûr, tu es jolie au naturel, mais tu pourrais encore être bien plus belle. On va mettre tes atouts en valeur, dame de tréflou mieux, j'ai as de cœur. T'as un beau port de tête quand tu relèves tes cheveux, les épaules en arrière, allez, tu peux faire mieux. Le chignon trop sérieux et les tresses sont fantines, il faut couper un peu pour être féminine. T'as la démarche d'un vieux prêtre anglais, remue les hanches comme si tu dansais. Bien sûr que j'écoutais ces ritournelles. Après tout, on voyait mon potentiel. Et tout au fond de moi, un petit valet, écrasé de partout, se lamentait. Faut tes ton rideau et ton monocle.
nos sourcils. Y a que Frida Kahlo qui le porte avec style. Serre ton soutien-gorge, y a tout qui va tomber. Ton caractère se forge, il faut se renforcer. T'as la démarche d'un vieux prêtre anglais. Remue les hanches comme si tu dansais. Comme si tu dansais. Je n'étais qu'une demoiselle, toujours sage et un peu consensuelle. Je regardais les cartes danser au loin. Je me tenais à carreau dans mon coin. Faut changer tes lunettes, t'as l'air d'une intello. Ta voix est aigrelette, t'as trop de vibrato. Pourquoi t'as la tremblante, respire avec le dos. Tes robes sont vieillottes, voilà ce qu'il te faut. T'as la démarche d'un vieux. Comme si tu dansais, comme si tu dansais. Aujourd'hui, je ne suis plus cette jouvencelle. Je ne veux plus qu'on tire sur mes ficelles. On a tout, c'était ce petit valet. Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'il dansait. Le petit valet, en fait, c'est la petite flamme. L'envie de chanter, de jouer, celle qui fait que je suis là, ce soir, devant vous. Et la petite fille en coccinelle l'avait déjà. Elle sera encore là demain. Toujours avec moi, malgré Kevin, les flûtes à bec, la classe hippopite, le chou rouge, tout ça. Rien n'arrêtera cette petite flamme. En scène, comme à la ville. Oh.
Merci Jonathan, merci Antoine. Connaissez un petit peu le cri des SOS le début ou non? Oui, un petit peu. C'est trop triste. Alors on va faire, je sais pas, View, puis vous m'aidez un petit peu. Vous faites les oua oua au bon moment. I'm in love with the shape of you.